Il existe trois types de vaisseaux sanguins dans l'organisme. Les artères, qui transportent le sang riche en oxygène depuis le cœur vers l'organisme. Les capillaires, dans lesquels le sang riche en oxygène et en nutriments est remplacé par du sang vicié provenant des tissus corporels. Et les veines, qui complètent le circuit en transportant le sang vicié et en le renvoyant vers le cœur. Alors que le cœur crée la pression nécessaire à l'envoi du sang dans les artères, des valvules anti-retour sont présentes dans les veines pour favoriser le retour du sang vers le cœur. Si ces valvules fonctionnent mal, les veines peuvent se gorger de sang. Elles peuvent se tordre et gonfler et vont être visibles à la surface de la peau, en particulier au niveau des jambes et des pieds. Cet état douloureux, appelé varices, est extrêmement courant, en particulier chez les femmes. Cette affection vasculaire est souvent accompagnée de gonflement des jambes, prurite, brûlure, douleur et de l'apparition de petites veines ramifiées en étoile. L'hérédité est le principal facteur de développement des varices et des veines en étoile. Toutefois, la grossesse, des périodes prolongées debout, l'obésité et le vieillissement peuvent aussi y participer. Les veines douloureuses ou inesthétiques peuvent être traitées avec des mesures allant des bas de contention au traitement par source lumineuse laser en passant par l'ablation chirurgicale. Un médecin ou un professionnel de la santé peut discuter des possibilités de traitement.